Bonjour à toutes. Alors, on est lundi matin, lundi 18. Je vous fais cette petite vidéo-là avant de partir chez mon toubib parce qu'il m'a appelé, parce que vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu un appareil pour analyser mon sommeil pendant une nuit. Donc, attendez, je vais éternuer. Ah, c'est reparti. Donc, il m'a appelé, il m'a donné rendez-vous ce matin à 10h15. Donc, bien avant de partir, je vais vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée. Deux petites secondes, hein. Je vais faire comme Coco maintenant. Moi. Une petite vidéo qui m'a été demandée par Emmanuel. Enfin, elle m'a demandé des renseignements. Mais des renseignements écrits, je ne sais pas, ça va être compliqué d'expliquer. Donc, je préfère faire une vidéo, l'expliquer, puis ça peut peut-être servir à d'autres personnes. Donc, elle m'a demandé l'explication de, vous savez, la petite couverture que j'avais faite et qui vous plaît à toutes. Alors, elle m'a demandé le nombre de mailles que j'avais mis. Donc, alors, je vais vous parler à toutes. Hein, en même temps, c'est pour Emmanuel, mais je vais vous parler à toutes. Donc, j'ai monté, bon, vous pouvez monter plus de mailles si vous voulez. Hein, moi, j'en ai monté, je voulais en monter 70. J'étais obligée d'en diminuer une. Au moment des petits jours. Donc, j'ai fait 70 mailles. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 rangs en mousse. 5 rangs en mousse. Voilà. Après, alors, vous voyez, il y a des mousses, des torsades, et après le jour. Donc, les torsades, je les ai fait sur 6 mailles. Les torsades. Alors, pour faire des torsades, il vous faut une petite aiguille, sans bout, vous voyez, sans bout. Il n'y a pas de bout à mon aiguille. Voilà, c'est une... Après, si vous voulez, je vous montrerai comment on fait les torsades. Donc, j'ai fait 5 rangs mousse, enfin, aller-retour, j'ai fait en point en droit. J'ai fait deux rangs à l'envers, la torsade qui est sur 6 mailles. Deux mailles à l'envers. Bon, je recommence. Là, il y a 5 mailles mousse. J'ai fait 5 rangs en mousse. Je refais 5. Après, de chaque côté de la couverture, je fais 5 points en mousse aussi. Aller-retour, je tricote à l'endroit. Là, ici, je fais 2 mailles à l'envers. Donc, sur l'endroit, je les tricote à l'envers. Sur l'envers, je les tricote à l'endroit. Je fais ma torsade, que je vous expliquerai s'il y en a qui ne savent pas faire les torsades. Deux mailles envers. Ensuite, bon, le point que je vous ai appris à jourer, le point que je vous ai appris à jourer sur un nombre divisible par 3. Donc là, j'en ai mis 39. Voilà, il y a 39 mailles, c'est divisible par 3. Je n'ai pas rajouté 2, il n'y a pas de maille lisière puisque j'ai les mailles envers de chaque côté. Et de l'autre côté, pareil, deux mailles envers, la torsade. 2 mailles envers, 5 mailles en droit. J'ai monté ça pendant ce point-là, j'ai monté ça pendant 50 cm. 50 cm. Et j'ai terminé par du 5 rangs mousse. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Alors j'ai fait ça avec des aiguilles. J'ai fait ça avec des aiguilles numéro 4. Les aiguilles numéro 4. Voilà. J'avais besoin de ma petite aiguille pour faire mes torsades. Et j'avais pris de la laine royale de chez Ziman, qui est super à tricoter celle-ci. Voilà. Donc, comment je pourrais vous dire? La largeur, elle fait... Ah oui, elle m'a demandé la largeur aussi. Donc, la largeur, elle fait... Elle doit faire 35 cm. Voilà, entre 34 et 35 cm. Mais c'est tout simple. Hein. Si vous savez, je ne vois pas ce que je pourrais expliquer de plus. Et, je commence par du mousse. Je monte mes 69 mailles, 70 mailles. Enfin, vous débrouillez. Moi, j'ai 69 mailles. J'en ai monté 70, mais je suis revenue à 69, je vous dis, à cause de mon dessin qui doit être divisible par 3. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez sur les côtés, hein. Moi j'ai fait ça parce que ça m'est venu comme ça, hein. Je n'avais pas de modèle, j'ai fait toute seule mon modèle. Donc ben, les torsades, je sais qu'il y en a qui ne savent pas trop les faire, mais c'est super simple à faire. Moi je fais la torsade simple, hein. Je fais pas... Alors d'un côté je l'ai fait d'un côté,
Alors, j'avais mis mon aiguille, pour celles qui savent faire les torsades, j'avais mis mon aiguille d'un côté devant, et quand j'ai fait la torsade de l'autre côté, j'avais mis mon aiguille derrière, forcément. Voilà, oh, ça m'énerve, quand je viens d'éternuer. Je m'excuse, hein, mais. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est une toute petite vidéo pour expliquer. Bon, Emmanuel, si tu comprends pas, tu me redemandes, je réexpliquerai. Mais je pense que ça, c'est pas compliqué, je pense pas quand même. Donc, ça fait les mailles, ça fait 5, 2, 6, 2, 39, 2, 6, 2, 5. Voilà. Alors, je recommence. 5, 2, 6, 2, 39. On recommence. 2, 6, 2, 5. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, là, je vais finir de me préparer. J'ai rendez-vous à 10h15. Il doit être 9h30. Je vais mettre la vidéo à charger. Et parce que là, les vidéos, elles mettent bien 6 à 8 heures de chargement si c'est pas 12. Donc, je vais la mettre à charger avant de partir. Et je vous donnerai de mes nouvelles de ce que le Toubib m'a dit. Ensuite, je vais aller chez Action. Pas chez Action, non. Je vais chez Ziman. J'ai vu de la laine sur une vidéo de quelqu'un qui fait des vidéos sur Ziman. Donc je dois aller chez le docteur. Je dois aller à la pharmacie. Forcément, j'ai des médicaments à reprendre le renouvellement du mois. Je vais aller chez Ziman et je vais aller chez Leclerc faire quelques courses parce que il me manque du lait, des yaourts, enfin tout ça. Bon, s'il y a des choses intéressantes, je vous ferai un petit retour de course. Et puis voilà. Là, on dirait que le soleil veut donner. Tout à l'heure, il y avait un gros brouillard. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un bon lundi. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? J'ai pas grand-chose à vous raconter. Je vous raconterai ça. Je vous raconterai plutôt mon compte rendu de Toubi. J'espère qu'il va pas me mettre un gros. Enfin, maintenant, je crois que c'est. On m'a dit que c'était des petits appareils. Ma belle-sœur m'a dit que c'était des petits appareils qu'on avait pour dormir. Donc. En espérant que je ne fais pas d'apnée du sommeil. Si je ne fais pas d'apnée du sommeil, je ne serai pas appareillée. Hein. On verra bien. Voilà. Donc, Emmanuel, j'espère que ça te plaît. En même temps, bah, j'en fais profiter les autres abonnés, hein, vous autres abonnés, puisque vous me suivez. Apparemment, ça a l'air de vous plaire ce que je fais en ce moment. Et puis, voilà quoi. Donc, je vais vous. Oui, je vous montrerai le point torsade aussi. J'ai plusieurs petits points là à vous montrer. Coco, elle va vous en montrer aussi des points, d'après ce qu'elle m'a dit. Et puis, je vous avais dit qu'on travaillait en parallèle toutes les deux. Hein. On allait faire des petites choses au tricot. Enfin, je ne vous avais pas dit ce que c'était. Maintenant, vous êtes au courant. Et puis, on va voir ça. Bon, ça va peut-être durer qu'un temps. Hein. Ça va pas non plus durer peut-être. On verra quand on va s'enlacer. Et là, Coco est en train de me chercher un baby born, mais je lui ai demandé un noir. Je voudrais habiller un petit baby born noir. Voilà. Donc, je vais voir. Elle va me chercher ça sur Vinted ou Le Bon Coin. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'en trouver un. Parce que moi, j'ai cherché, mais comme beaucoup, je n'ai pas trouvé. Donc, elle m'a dit, mais si, il y en a. Et c'est vrai qu'elle m'a envoyé des liens, il y en a. Mais bon, moi j'ai essayé de m'inscrire sur Vinted, je ne comprends rien. Donc elle m'a dit, t'inquiète, je vais le faire. Voilà. Bon, ben, sur ce, je ne vais pas m'attarder quand même trop longtemps parce qu'il faut que je charge la vidéo. Et puis, je vous fais un gros bisou et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain. Voilà. Bisous. Bonne journée.